Le Sud-Africain Lourens Adriaanse, au milieu le talonneur Ben Barka et Geoffrey Moïse le gaucher donnent le ton sur cet exercice d'entrée en mêlée. Un pack palois tout temps et qui devra une nouvelle fois donner l'exemple pour le début de la compétition européenne ce samedi à Leicester. Objectif gagné chez l'un des grands clubs anglais. Je sais qu'ils sont un peu en difficulté dans leur championnat, mais je sais qu'ils récupèrent sans doute ce week-end tout leur vice-champion du monde. Donc voilà, c'est tant mieux pour nous. Comme ça, on jouera contre des super joueurs. Une vision plutôt positive malgré leur classement. Et je pense que ça va être un gros match. Et personnellement, c'est ces matchs-là que j'aime jouer. Contre des grands joueurs, des joueurs internationaux. Donc c'est bien de s'y frotter et ça fait progresser tout le temps. Pour aborder l'Europe, le staff a changé 14 des 15 joueurs qui ont gagné à Bayonne. On note ainsi les retours du 3e ligne Pierrick Gunter ou les centres Tom Dumoulin et Florian Nico. La qualification en Challenge Cup passe par une première place de la poule. Un groupe où figurent outre les Anglais de Leicester, les Gallois de Cardiff ou la modeste équipe italienne de Calvisano. Lorsqu'on la commence, en tout cas, l'objectif est de se qualifier. Et après, on verra comment ça va se passer. On a une poule très relevée avec Cardiff et Leicester. Donc voilà, à nous de bien se comporter dès ce week-end. Les Britanniques de Leicester récupèrent 5 internationaux anglais de la Coupe du Monde. Une belle affiche pour entamer la Challenge Cup.